Sylvain Jolès, coordonnateur Sylvain Jolès. Pétionville, nous avons, dans le siège Pétionville là, nous avons 33 centres pour candidats traditionnels, philo, et puis nouveaux candidats escatio. Jusqu'à présent, nous avons parti comme ça. Donc, il y a 4 centres qui sont réservés pour candidats philo traditionnels, en plus permanents. Et il y a un reste centre qui est pour nouveaux candidats, c'est-à-dire escatio. Donc, dans le siège Pétionville là, dans 33 centres, nous avons autour de 9000 candidats qui ont proposé dans 33 centres, nous avons dans Pétionville. Tout le monde a été très 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 bien, donc sans difficulté. Tout va très bien au niveau siège de Pétionville. Dernier mot, nous avons demandé collaboration tout agent qui est impliqué dans la question examen officiel là, parce que généralement, qu'elle soit au niveau ministère de manière globale et au niveau national, examen baccalauréat, ce n'est pas question du tout de ministère de l'éducation nationale. C'est question toute la nation, parce que tout le monde concerné. Nous invitons tout agent qui est impliqué dans la question examen officiel bac 2023, des surveillants jusqu'à responsable des centres et plus haut inspecteur. Donc nous demandons tout le monde de faire travailler très bien. Donc pour examen très bien passé, pour une satisfaction pour tout le monde, tous les parents et la nation tout entière. C'est coordonnateur Sylvain Jolès pour première matière, c'est-à-dire philosophie. Donc tout est déjà OK. Donc actuellement, tout élève dans le centre a proposé normalement. Bon, en plus le monde nous t'écarouille, bon, il y a un chauffeur tout. Ce n'est pas élève du tout, il y a un chauffeur, il y a un employé, ministère là tout, et il y a un accompagnateur et responsable des circuits. Donc, il a été diversifié, présent sur le terrain là. Ce n'est pas élève du tout. D'accord. Merci. Radio-télévision éducative, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, jeudi lundi 5 août 2024 là. C'est la première journée déroulement examen officiel baccalauréat et dans tout le pays à travers les 10 départements. Nous avons examen ça et il y a environ 221 000 candidats qui doivent répondre présent dans quatre séries d'examen ça. Donc nous-mêmes nous passons dans plusieurs centres. Nous tenons l'École nationale république de l'Équateur. Ici à l'École nationale république de l'Équateur, nous avons 10 salles d'examen à raison de 24 candidats par salle. Ça nous donne 240 candidats. Mais maintenant, nous sommes en train de composer avec la philosophie. C'est presque terminé. Nous ne pouvons pas dire combien absents gagnent, mais nous passons dans ça, le constat que nous faisons. Nous pas gagné en pile absence, mais quand même, il y a quelques absences, mais pas en pile. Nous attendons jusqu'à ce que nous ramasser premier examen hein, pour nous voir vraiment si candidat ça yo pas là, si yo absent, parce que c'est premier jour nous pouvons mettre absent pour candidat, tout autant nous pouvons ramasser examen. Actuellement nous dans collège et Adelfos dans souci pour fournir regarder comment examen yo a déroulé. Jeudi à ses premier jour examen hein, donc pratiquement nous commencer bon je suppose commencer à 8h30, mais comme on connaît ce premier jour il y a un léger retard. Mais du côté surveillant, yo. Donc ceci dit, nous avons démarré à 9h. Dans ce temps, nous avons démarré à 9h dans le collège Adelfos. L'examen est arrivé exactement entre 9h20. Donc, nous sommes dire que nous étions à l'heure. Pour le premier jour, nous sommes étant léger, donc il n'est pas vraiment dérangé trop. Donc, pour l'effectif, nous avons gagné, nous avons supposé gagner 240 candidats globalement, parce que nous avons gagné 10 salles à raison de 24 candidats par salle. Donc, ça fait un effectif de 240 candidats. Bon, jusqu'ici, comportement l'acceptable pour qu'on n'ait aucun incident majeur. Bon, pour ne pas dire du tout. Donc, tout le monde a déroulé calmement, pas de problème. Je propose normal, je n'ai pas eu aucune frustration. Ni nous-mêmes, tout, nous-mêmes, tu veux, en retour, nous pas faire frustrer. Nous quittons juste pour composer. Tu veux, tu es cool, mais un peu strict. Pour aujourd'hui, je t'ai composé philosophie, bon,
pas trop facile, pas trop difficile, et bon sens, bon comprendre. Et puis nous avons été un examen chimie. Bon absurde, parce que chimie n'est pas matière. Gilbert, responsable centre examen collège canadien. Jusqu'à présent, tout le bagage a bien déroulé. Nous avons supposé gagner environ 600 élèves. Mais nous avons gagné celle qui a ajouté matin. Okay. Donc, pour l'instant, nous pouvons avoir un nombre exact. Tout le bagage a marché bien, sauf que nous avons toujours espéré qu'il y ait quelque chose qui n'est pas arrivé du tout. Okay. Pour que même si l'examen est arrivé à l'heure, mais il y a des cas pour que plutôt nous avons plus de copies, nous avons été sur plus que pour nous tailler, pour nous manquer. Okay. Donc ça, a mettez-nous en bonne position pour que les gens soient composés à l'heure, quand c'est le temps qu'ils ont besoin devant eux, pour faire l'examen en tant qu'étudiant. On examine, toujours il y a des frustrations pendant ces derniers examens pour terminer les études secondaires. Mais dans l'ensemble, ouais, si on y a bien proposé, à part de quelques cas, côté arrivé en retard, mais bon, les petits dans les jours qu'ils sont dans une zone difficile pour vivre dans l'air, ça, ou bien je comprends. Ok. Ok. Soit nous, c'est gagner ce travail pour nous gagner un environnement qui est sain, en toute quiétude, si on y a terminé et année d'étudiants, en toute beauté, et puis comme ça, quiétude d'esprit a pour rendez-vous. Et puis, nous avons des candidats qui sont plus hop, qui ne peuvent pas faire face à des problèmes de sécurité, gens tout le monde connaît. Et que si on a senti son droit, il gagne, qui doit garantir pour venir à l'école, et puis pour garantir l'avenir.